Le DICAP du ministre de la Santé nous demande, de lui donner 3 jours pour qu'il... Le DICAP du ministère de la Santé, nous demande de lui donner 3 jours pour qu'il puisse rentrer en contact avec les services financiers du Trésor pour voir si on peut nous payer, pour nous donner la date du paiement de la prime COVID. Je reprends. Le DICAP de la santé, monsieur Aka Joseph nous demande de lui accorder 3 jours pour qu'il rentre en contact avec le service financier pour voir quand est-ce qu'il pourra nous payer la prime COVID-19. C'est pas pour nous payer, il va s'informer pour nous dire quand est-ce qu'il va nous payer la prime COVID-19. Et en retour, il nous demande de suspendre pendant 3 jours, de suspendre, et après les 3 jours, il va nous donner la date. Et concernant l'intégration, écoutez. Concernant l'intégration de tous ces contractuels, il dit qu'il va travailler dessus pour voir comment est-ce qu'on pourra faire l'intégration. Hein? Ils n'ont pas le monopole de toutes choses. Mais c'est des négociations. Ils vont faire des plaidoyers. Et cela ne tient pas. Mais ce qu'ils nous demandent,
c'est de suspendre. Et que toutes nos revendications ont été prises en compte. Amen. Toutes nos revendications ont été prises en compte. C'est-à-dire que toutes les revendications qu'on a égrenées sur le préavis de grève, ils ont tout pris en compte. Amen. Ils ont tout pris en compte pour que ce soit traité. Merci. Comme je l'ai dit, je ne vais pas décider en dehors de vous. L'AG est souveraine. Et je suis venu vous poser et porter l'information pour que ensemble nous puissions décider. Si vous pensez que ils sont plus dignes de confiance, on reconduit la grève pour que ce soit suivi. Si vous pensez que on peut se faire confiance, ce n'est que trois jours. Les trois jours là. Moi, je, les trois jours là. Écoutez, il va finir. Et puis on va vous donner la parole. Les trois jours qu'ils nous demandent. Les trois jours. On peut rester toujours dans la grève, on a pu le faire, on fait le piquet, on ne paye pas. Ouais. On attend les résultats. Ouais. Comme les jours, on peut reprendre les puits, après venir maintenant. Si on reprend, ce qui arrive, on fait comment? C'est ça. C'est plein de bonnes fois, vous allez décider des trois jours, parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne de moi. Ouais. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, toutes nos revendications ont été prises en compte. De deux. La prime COVID-19, de lui donner trois jours. De lui donner trois jours. Parce que dans la revendication, si vous avez connaissance, on a parlé. Un, paiement intégral de la prime COVID-19. Alléluia. De 6 mois, de 6 pour certains et de 4 pour certains. On a demandé le paiement de la revalorisation catégorielle. On a parlé de la révision du transport. On a parlé de l'intégration des contractuels. On a parlé du rappel du SMIC. Et on a parlé de la prime de transport. La prime de risque aussi. N'est-ce pas? Parce que nous sommes exposés au même titre que tout le monde. Et pour cela, il nous a dit que toutes nos revendications ont été prises en compte. J'ai compris notre intégration. Camarades, je pense que la décision ne vient pas de moi. C'est vrai, je suis votre leader. Mais la décision vient de vous. Donc la parole est libérée, vous décidez de la conduite à terme. Qui donne la parole? Va Maria de Paris. Écoutez, ce que je voulais ajouter, ne parlez pas dans le désordre. Je serai là. Soyez disciplinés. Soulevez la main. On prend 10 personnes. Je vous interroge. Ne parlez pas dans le bias, s'il vous plaît. Oui, mon ami, oui. Okay. Oui. Quand tu parles perspective en même temps. Hein. Ok. Voilà. Joël Kato, auteur général de Comassi. 3 jours. Ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 3 000 ans. On est d'accord là-dessus. Mais si on accepte les 3 jours en désarme et que rien ne vient à l'horizon, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je propose, on est déjà dans l'eau. Nos pieds là sont déjà mouillés. Si nos oreilles se mouillent, ça ne fait rien. On continue jusqu'au bout. On attend les 3 jours pour voir ce qu'ils vont nous dire. Si ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on veut, on va voir la conduite à tenir. Sinon, à ce que tu saches, merci, c'est vrai. Les 3 jours là, on va attendre ça dans le piquet. Dans le piquet. Dans le piquet. Ok. Merci, je vais commencer. Est-ce pas parce que vous venez de dire là? Écoutez, je suis le modérateur. Ce qui vient de dire, écoutez, je suis le modérateur. Ce qui vient de dire, je n'aimerais pas que vous reveniez sur la même question, mais sur les mêmes perspectives, s'il vous plaît. Une personne. Oui. Soyez bref, s'il vous plaît. Vous présentez l'hôpital, oui. Dans Maria. Oui. Je suis pas Maria à l'hôpital Chéachère d'Abobo Nord. On vous remercie les généraux. 3 jours qu'ils ont donné là. On accepte les 3 jours en venant chaque matin au ministère ici pour s'asseoir. Chaque matin, on est ici pendant les 3 jours. Ils vont venir ici pour nous dire encore que 3 jours là c'est aujourd'hui. Allez-y, prends votre argent au trésor. Du trésor, on s'en va travailler. 3 jours là, on fait ça au ministère ici. C'est ce que je décide. D'accord, merci pour ta proposition. Merci. Une personne. C'est moi. Une personne. Oui, mon ami. Vous êtes vous.
Hôpital là. Je suis de 13 lignes. Ok. Donc le monsieur là, il applaudit. Ça c'est un esprit ibère. Ok, non, applaudissez là. Aujourd'hui, j'ai vu la force de frappe de monsieur là. Lui là, c'est pas un homme, c'est un génie. Ibère là, c'est un leader. Il y a des trucs que tu peux pas dire aux autorités. Lui, il glisse ça sous silence. On prendra le temps d'en parler. Pour ce qui est de leur camarade, vraiment, moi je vous exhorte. Honnêtement au travail. Il a donné 72 heures. Les 72 heures, c'est municipal, on a dit 72 heures le temps de rentrer en contact avec ceux qui payent. Il n'est pas financier. Il est dans 3 jours, il va rentrer en négociation avec eux. Et c'est au temps des 72 heures, il va nous donner le jour où ça sera positionné. Et c'est moi maintenant une semaine, les jours vont arriver. Si ça ne tenait qu'à moi, les amis, on va reprendre le travail. C'est gêné ici, la dame. On reprend le travail. Aujourd'hui, ils ont pu rencontrer le DICA, qui est la deuxième personnalité du ministère de la Santé. Et c'est lui qui dit, je prends tout en compte en vous faisant confiance. Et donc cette confiance-là, il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture de la confiance qu'il a pris place en nous. Ce que moi je demande, nous pouvons être dans nos lieux de service, tout en observant le mot d'ordre des grèves. 3 jours, ce n'est rien. Et si on continue, on veut toujours donner la parole à tout le monde, on va rester ici. Quels sont ceux qui sont d'accord? On se lève la main. Et s'ils ne sont pas d'accord, alors on fait d'autres propositions. D'accord, on va finir. Camarade, attendez. D'abord fini par lancer, je suis comme on dit. Voilà. J'ai dit, ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. Pour notre Covid là, il va négocier d'abord. Notre Covid là, il va négocier. Pourtant, c'est tout est déjà calculé. On dit, bon, quel groupe on a pour eux. C'est le même travail qu'on fait avec les fonctionnaires. On n'y peut rien. Non, j'arrive, je n'ai pas fini. Donc, pour notre Covid là, il va voir qui des droits d'abord, parce que lui, il n'est pas financier. Hein. C'est pas normal quand même. Aujourd'hui là, le ministre n'est pas là. On est au ministère, on est dans notre tutelle aujourd'hui là. On peut dire, bon, allez-y, reprendre le travail. Mais demain, allez-y dans le différent. Oui, pour prendre votre argent. C'est simple. Mais pour notre COVID simplement, on va négocier. C'est pas normal. Alors, moi, ce que je souhaite là, il a donné 3 jours. À compter d'aujourd'hui, il y a lundi, donc 3 jours là, ça finit mercredi. Alors, il donne un rendez-vous à notre leader. Le jeudi, il va passer, il s'est passé. On suppose. Non. Ou bien le jeudi. Il dit qu'il m'appelle. Ah, d'accord. S'il vous plaît, monsieur, ne vous attendez pas.
pensez pas à l'écran, vous êtes très fragile, s'il vous plaît. Vous êtes très fragile. Nous, on n'est pas plus de l'aide. Vous êtes très fragile, s'il vous plaît. Le chef dit, ou bien, on a rendez-vous ici chez lui, il va nous dire, voilà ce, non, voilà ce qui est sorti de nos rencontres. Sinon, normalement, quand même, c'est pas sérieux. D'accord. L'autre Covid, on va négocier, pourquoi? Merci. 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 Enfin, deux personnes, et puis, oui. Mais attends, lui, depuis moi, je suis en train de Bonjour, camarades. Bonjour, c'est Mamadou Bakayoko, CH de Cocody. Voilà. Nous sommes venus et nous avons reçu, Dieu merci. Et nos leaders ont posé le problème. Et nous avons considéré les venus vers nous pour prendre la conduite à tenir. Ce que moi je vais dire, nous ne sommes pas des battes en guerre. Ils nous ont dit 3 jours. Les gars, on n'a pas observé les 3 jours. 3 jours là, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 3 semaines. Ça finit mercredi. On se rend là-bas. Mercredi, s'il n'a pas appelé le général, j'ai dit, on fait le point. Et puis, la mobilisation qui a été faite aujourd'hui, là, on reprend, ça c'est facile. Donc, vraiment, on n'a qu'à écouter ce qu'ils ont dit. Et puis, on n'a qu'à reprendre. Parce que si on veut faire, si on veut se jouer les dix, on est comme nous, on veut utiliser la grève, on veut faire des places. Les autorités ont croisé le syndicat pour que les autorités respectent nos syndicats. On n'a qu'à respecter ce qu'ils ont dit. Là, demain, quand il y aura un problème, ils vont tous les appeler. Mais si on montre aux autorités que non, les syndicats même, on n'écoute pas leurs paroles, c'est que nous sommes des va-t-en-guerre. Voilà. Donc, ils ont causé le syndicat. On montre aux autorités que non. Quand vous avez causé nos leaders, le leader a parlé, on a compris. À cause de ce que le leader a dit, on s'en a travaillé. Mais la grève sera en 12 heures. Peu importe, tu veux, tu restes à la maison. On se retrouve dans le lieu de travail. On attend. Maintenant, si les 72 heures passent, il n'y a pas de chiffre favorable. Lundi prochain matin, on va aller ici. On se retrouve ici. Il n'y a rien de formel. Normalement, quand on fait une telle réunion, à la fin, il est signé pour dire que on reconnaît devant tout le monde qu'on a pris de tels engagements. Il ne l'a pas fait et nous donne encore des promesses. Si on est juste, si on est encore là, c'est parce qu'il nous a promis, nous promet. Donc, franchement, ils ne sont pas Tout ce que nous faisons, ne voyons pas le côté
relation à moi. Ne voyons pas le côté physique. Voyons aussi le côté spirituel. Ce monsieur qui est devant nous là, c'est pas parce que c'est... lui c'est un homme. On peut aussi l'attaquer. Voyons le côté spirituel. Eux peut-être qu'ils veulent, mais il y a des gens aussi qui mettent des bâtons dans leur roue. Moi c'est que moi je demande là. Je demande à mes soeurs, laissons les hommes, je demande à mes soeurs qu'on se mette en jeûne. C'est 3 jours à nous en donner. C'est pas 300. Vous avez compris qu'aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi. C'est fini. Jeudi, ce qu'ils vont nous dire, on va voir, mais restons dans le texte spirituel. Ne pas faire ces gens ça. C'est pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez compris, il n'y a pas l'argent. Ça est là. Mais ils n'ont pas la force. Alors si nous on se lève pas dans la prière spirituellement, il est sûr que je ne pense pas que. L'autorité a dit, sur la base de confiance, l'autorité a dit, maman, quand tu parlais là, je n'ai pas parlé. Maman, je suis curieux. L'autorité a dit, il va nous donner 3 jours, de lui donner 3 jours. Nous, on va accepter les 3 jours, mais on ne va pas travailler. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a accepté qu'on a, on a désarmé. Chacun va se retourner sur son lieu de travail. On va observer le piqué. On est là. Et puis, on est là, on les regarde jusqu'à 3 jours, là, ça va passer. Jeudi, vendredi, jeudi même là, lui-même il a dit, c'est sa bouche qui a dit. Il dit, il va appeler notre leader là. Donc, attendons ça, et puis prions, et puis attendons ça. Jeudi là, si rien n'est fait, vendredi, est-ce que nos pieds là, on a coupé? On vient siéger ici encore. Vendredi là, on vient siéger ici. Si Dieu, on vient siéger. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Camarades, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Je vous demande à chacun, quels sont ceux qui sont pour la reconduction de la grève, qui lèvent la main. C'est-à-dire qu'on continue la grève, on reste au piqué, on met, on a pour les 3 jours, on reste au piqué. On a un grève, on travaille. Tout le monde. Quels sont ceux qui sont pour la reprise du travail et donner les 3 jours, la chance aux 3 jours? Camarades, moi-même là, je l'ai dit. Et je ne vais jamais me dédire. Toute décision qui doit être prise se fera à l'Assemblée. Aujourd'hui, l'Assemblée a décidé de rester, de faire le piqué, de continuer la grève dans le piqué sans déranger quelqu'un. Chacun reste dans son établissement, mais dans le piqué jusqu'à ce qu'on ait le retour des 3 jours. C'est ça, non? C'est ça. D'accord. Donc, sur ce, à partir d'aujourd'hui, puisque ça. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout vous restez dans vos lieux de service sans travail. Ok. Jusqu'à épuiser les 3 jours. Si on n'a pas de retour concret, camarade, jeudi matin, on envahit le cabinet. Vendredi matin, on envahit l'hôpital général d'Akobo. L'hôpital général d'Akobo. Tous les jours, le cabinet. On est d'accord? Vendredi matin, jeudi matin, on envahit ici. Et puis vendredi matin, on envahit l'hôpital général d'Akobo. On est d'accord? Parce que le premier ministre, tous les vendredis, d'Akobo. Donc, on va fermer son hôpital d'abord pour lui signifier qu'il y a un document du fonds concernant la plus Covid et tous ces contacts du secteur public. On est d'accord? Oui. C'est tous ceux du secteur de la santé. Ce qu'on retient, on reste, on fait le piqué, on ne travaille pas le matin, tout le monde vient. Vous êtes au service, vous êtes au piqué, vous ne travaillez pas. Le jeudi matin, jusqu'au jeudi matin, si je n'ai pas de bonnes nouvelles, jeudi matin là,
On a dit qu'on va. J'ai dit maintenant, je retourne. Ici. Si ce, la séance est levée. J'aime pas. 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 J'aime pas.